Salut les amis, c'est Delta et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19 déjà de mon aventure sur Minecraft. Donc dans l'épisode 18 on avait fait cette magnifique maison. J'ai mis énormément de temps à la faire, surtout le toit. On avait fait le toit dans l'épisode 18, dans 17 c'était plus la façade, etc. J'aurais profité pour faire les vitres, je vous avais déjà montré. Donc j'ai quelques œufs, on va les balancer pour nos poulets, pour qu'ils nous fassent des flèches et tout ça. Parce qu'on arrive en fin de saison, en fin de série plutôt. Et que du coup, il va nous falloir quand même un maximum de flèches pour battre Slender Dragon qu'on va aller affronter dans peu d'épisodes. Donc dans cet épisode, on va aller se trouver des vaches. Donc je vais faire des ellipses. Ça fait beaucoup d'ellipses en peu d'épisodes. En même temps, il faut un petit peu en faire si on veut que ça avance en peu d'épisodes. Donc je vais aller chercher des vaches. Je vais les ramener ici. Je vais faire un petit enclos pas très loin. On va les élever pour avoir du cuir et faire nos fameuses bibliothèques pour enfin terminer notre table d'enchantement qui attend depuis un moment. On peut enchanter, c'est pas un problème, mais ça va pas enchanter avec beaucoup de niveaux. Voilà, c'est le problème. Je vais aussi me faire des bestioles pour taper un maximum de niveaux. D'ailleurs, j'ai pas remis, parce que je travaille sur les nouveaux projets, j'ai pas remis la difficulté. Voilà. On va aller dormir d'ailleurs si monsieur là veut bien se pousser. Voilà. Donc on va pouvoir se faire une petite pièce où on va enchanter. D'abord, il va falloir faire des niveaux, etc. On va aller voir nos cultures dans cet épisode aussi, vite fait, pour voir comment ça avance. Parce que ça fait, je crois, un petit moment qu'on n'a pas été les voir. Enfin, j'avais été aller voir entre temps, mais. Donc voilà. Surtout, ça s'avance bien. Ça avance bien. Donc, on va aller récupérer tout ça et puis les replanter. J'espère qu'il n'y a pas de moves qui vont arriver entre temps. Ce serait bien quand même. Donc voilà, on arrive à l'épisode 19. Va falloir se bouger un petit peu parce que j'avais préparé que 35 miniatures au début de la série. Va falloir se bouger un petit peu. Ou 30, je sais plus, mais bon. De toutes les façons, on va les faire ces épisodes, il n'y a pas de problème. On va aller jusqu'au bout. Et puis on va se trouver une autre série à faire. Une fois que celle-ci sera terminée. Voilà. On récupère nos citrouilles, nos blés. Ils ne servent à pas grand-chose au final. Et juste après, on va faire une ellipse pendant laquelle je vais chercher des vaches. Hop. On va replanter un petit peu. Pendant lesquelles je vais chercher des vaches pour faire l'enclos. Je vais peut-être faire une ellipse pour les bousiller aussi pour avoir du cuir. Parce que ça, c'est pas le problème avec nos cannes à sucre vu qu'on en a un bon paquet. Je vous montrerai tout ce que j'ai récupéré hors épisode, hors tournage. Donc, on va replanter un petit peu quand même. Parce que j'ai piqué celle-là au fond, oui. Donc, pas besoin d'en replanter des tonnes, de toute façon, il n'y en aura pas besoin d'énormément. Mais c'est déjà ça. Voilà. Donc, on va laisser ça pousser tranquillement pendant 2-3 épisodes, je pense. Le temps que ça avance. Même pas besoin, le temps que je cherche les vaches, de toute façon. Mais bon, on n'ira pas les voir tout le temps. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Donc j'avais dit aussi que je retournerai dans le Nether au cours de cette série. Donc voilà. Je sais que les épisodes n'ont pas été. Enfin, quoique celui de la toiture a été un peu plus long que 15 minutes. Mais comme ils ont au final. Pas été très long pour le tour de la maison. L'épisode 17 était vraiment assez court. Je pense qu'au final. Tiens, bah ça nous fait deux flèches en plus. Toujours ça de pris. Je pense qu'au final, je vais vous faire un épisode un petit peu plus long. Là, je vais vous voir un petit peu plus les animaux, etc. Pour avancer dans le jeu. À la limite, on se fera nos premières bibliothèques. Mais la pièce, je ferai un épisode spécial pour faire la pièce et tout ça. Et c'est dans cet épisode que je vais me faire des mobs pour
pour avoir des niveaux et pouvoir enchanter un maximum de choses. Il y aura un épisode où je l'avais déjà dit aussi, un épisode où je vais me refaire du diamant. Je vais aller rechercher un petit peu de diamant pour pouvoir nous faire un stuff complet. Donc je vous fais une petite ellipse jusqu'à ce que je retourne quelques vaches. Voilà les amis, donc première vache trouvée. On va essayer d'en trouver une deuxième. D'ailleurs, je tourne la tête, il y en a une deuxième. Puis on va les ramener à la maison. Donc au final, c'était pas très bon. On voit encore un petit peu la jungle là-haut. Ah ouais, il y en a plein, plein, plein. Donc on va les ramener. Est-ce qu'elles me suivent encore? Ouais. C'est bon. Ah ouais, c'est bon. On en a un bon paquet. On va les ramener vers la maison. On va se faire un petit enclos. Donc je vous fais tout ça hors caméra parce que ça vous évite des choses pas forcément très intéressantes. Ramener tout ça et puis avoir une caméra qui est complètement brouillée par toutes les vaches qui vous collent. Donc on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai fait l'enclos et que je les aurai ramenées à l'intérieur. Re les amis, donc c'est bon, c'est fait, on a ramené les vaches. Donc j'ai pas fait d'enclos encore, mais je les ai mis dans la maison temporairement. Comme ça, elle sert à quelque chose pour le moment. Parce que pour l'instant, je vais m'en servir que vers la fin d'épisode, là où je vais vraiment décorer, etc. C'est là que elle va me servir à quelque chose, je pense. J'ai fait le tour des cultures, etc. Et j'ai récupéré un maximum de choses. Donc, c'est bon. On va aller voir les vaches. Et on va commencer à en tuer quelques-unes. Là, on est en début d'épisode. Donc, je propose qu'on fasse plusieurs choses dans l'épisode. Donc, vous voyez, il y en a pas mal. J'ai pas réussi à toutes les ramener non plus. Parce que il y en a encore de route qui se perdent. Donc elles ont commencé à faire des petits, on va tuer les premières pour avoir du cuir, en espérant qu'elles en donnent, voilà. Donc du cuir, pour l'instant on n'en a eu qu'un. Les petits vont grandir tout seuls, orphelins, voilà, bien joué. Ah bah ça va, deux cuirs, c'est pas mal. Donc là je lag un petit peu, désolé. Ah bah là il y a que de la viande, bon c'est pas grave, on en fera chauffer. Il y a un mouton qui s'est ramené aussi parce que les moutons sont attirés par le blé. Et voilà un autre cuir. Donc on va commencer à faire des livres, poser nos premières bibliothèques. Donc la pièce en haut avec le portail du Nether va nous servir de pièce pour poser la table d'enchantement. On va la bouger de place la table. Si on y arrive avec notre pioche qui commence vraiment à être très usée. Et voilà. Donc finalement on aura bien avancé dans cet épisode du coup. Donc j'ai fait quelques trucs hors caméra du coup. Comme ça va avancer. Donc les œufs on les mettra... pas tout de suite, bientôt. Donc là, ça nous en fait que 6, ça fait pas beaucoup. Donc à la limite, je vais retourner, mais au lieu de les ramener dans la maison, je vais en tuer directement. Je vais faire un petit élevage, et puis en même temps, je vais aller en chasser sans les ramener. Comme ça, ça va compenser un petit peu, il n'y aura pas besoin d'y aller tout le temps non plus. Mais ça permettra d'avancer plus vite que de faire un élevage, parce que le temps que les vaches grandissent, etc., ça met pas mal de temps. Donc on a notre cuir, on va prendre des papiers. Pour ceux qui savent pas faire les livres, bah voilà, vous mettez un cuir en haut et des papiers tout le long, voilà. Et ça vous fait un livre. Donc on va faire ça avec 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Voilà, comme ça, on va pouvoir stocker nos livres. Du papier, j'en ai plein, normalement. J'ai des cannes à sucre, donc on va se faire encore un petit peu de papier. Puis je vais refaire du... je vais aller rechercher du cuir hors caméra.
Enfin, en tout cas, je vais faire le déplacement hors caméra. Je pense. Comment on fait des pages déjà? Comme ça, non? Voilà. Donc, pour les pages, c'est comme ça. Hop. On va en prendre un petit peu. Bon, je sais plus combien il nous en faudra environ pour faire toute notre bibliothèque, tout le tour, etc. Donc là, on a déjà pas mal de papier. On va faire notre première bibliothèque, que ce soit symbolique. Là, ça va pas. Du coup, on a deux, on va les rajouter ici. Voilà, on va faire deux bibliothèques. Je vais faire ça proprement. Parce que là, je fais n'importe quoi. Et voilà. Donc nos deux premières bibliothèques qu'on va placer. Donc vous voyez, ça fait pas beaucoup des bibliothèques. Il en faudra certainement une bonne dizaine, je pense, pour que ça puisse enchanter au maximum. Donc à la limite, on va les faire ici. On va placer notre table d'enchantement au milieu, à peu près ici, je pense. Donc on fera une petite salle un peu sympa à part. Ça devrait être plutôt pas mal, je pense. Donc là, je vais aller rechercher du cuir pour qu'on se fasse un maximum de bibliothèques. Je vais refaire pousser des cannes à sucre, etc. Donc, ellipse. Je crois que je suis très loin. J'ai enfin réussi à rentrer dans ma maison. Donc, avec 31 cuirs et énormément de choses qui ne servent absolument à rien, mais que j'ai ramassé en tuant des monstres et plein d'autres choses. On va continuer d'ailleurs à faire nos livres. Alors on va faire un bon petit paquet. J'ai calculé, il nous faudrait à peu près, je pense, autour de 17 bibliothèques, ce qui est énorme. Mais ça devrait être possible, je pense. Donc le cuir, on va pas le gâcher justement. On va continuer à faire. Ah ouais, donc on va faire des pages. On va utiliser tout notre cuir. Voilà. Ouais, on va en laisser un. Là, on peut en faire 10. Ok, donc. Voilà. On va mettre nos planches et puis on va s'arrêter là. À la limite, on aura moins de planches que de bibliothèques. Donc ça a mis pas mal de temps à trouver toutes les vaches et à les tuer. Là, on a 9 bibliothèques. Hop. 10 bibliothèques. Ce qui est pas mal. Pourquoi j'ai pris la plaque de pression? Bon, tant pis, c'est pas très grave. On va poser nos bibliothèques. Vous allez voir, ça va commencer à prendre forme. Et puis on va s'arrêter là. Ça fera un petit épisode d'un quart d'heure, je pense. Donc tout à fait logique. À la limite, si on en met un là, on peut enlever cela. Ah mais ça va nous deck des livres. Je suis un boulet. Donc si on la place ici, est-ce que ça suffit? Déjà on va essayer. Quand on aura assez de bibliothèques. Donc on les finira dans le prochain épisode. Ça commence déjà à prendre un peu forme. On va faire une petite pièce sympa après. Avec le portail du Nether, ça devrait donner assez bien. Pour l'instant ça ressemble à rien, mais voilà.
Donc dans le prochain épisode, on essaiera de faire ça. En attendant, laissez un like sur la vidéo, un commentaire sur des astuces à me donner ou trouver des vaches, etc. Ça serait sympa. Donc un commentaire, vous pouvez vous abonner pour suivre la suite de cette série. D'ailleurs, tous les épisodes sont dans la playlist, j'ai oublié de le dire en début d'épisode. Tous les épisodes que vous avez ratés sont dans la playlist qui est sur ma chaîne. Vous pouvez aller la voir pour comprendre un petit peu où on en est dans la série. D'ailleurs, vous avez vu, je suis à l'épisode... Enfin, l'épisode... Je suis passé niveau 40 en tuant tous les mobs, etc. Donc voilà, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo à vos amis pour qu'elle fasse un maximum de vues. Je vous souhaite une bonne année. Et on se dit à plus tout le monde pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.